good feeling. Yeah. Yo tout le monde, ici c'est Nightmare pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pas pour un gameplay, pas pour un autre truc comme ça, pour une vidéo tutoriel. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je vous promets quand même des petits tutos. Alors cette vidéo tutoriel va vous dire, je vais pas vous dire mes classes, mais ce sont des petits conseils de stratégie, de ce que vous devez faire pour vous améliorer. Voilà. Puis enfin, je vais voir parce que c'est un peu de l'impro ce que je fais. Et j'espère que. Alors là déjà, oui, je dois vous préciser, je joue en local. Alors je vous dirai. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Déjà, le meilleur moyen pour s'entraîner, c'est le mode local. C'est vraiment. Le meilleur moyen pour s'entraîner, c'est le mode local. Je vois rien, putain. Le meilleur moyen, je disais, pour s'entraîner. Mais voilà, putain. Quand je suis en train de recharger, bâtard. Le meilleur moyen pour s'entraîner, c'est de jouer en mode local avec des bots mixtes. Franchement, ça c'est vraiment bien. Après, quand vous avez un bon niveau, vous vous entraînez avec. Mais allez, quand je tire à côté, mais j'en ai marre. Je suis trop fatigué, hein, j'arrive pas à jouer. Désolé, mais j'avais envie de faire cette vidéo ce soir parce que j'en ai marre d'attendre en fait. Pour faire mes vidéos. Donc, je vais essayer de camper un peu pour pas me faire trop massacrer. Essayer de me concentrer un peu. Voilà, alors quand vous avez beaucoup de niveau, vous jouez que avec des vétérans. Et là, bah normalement, il devrait arriver à avoir un bon niveau. Et putain, mais t'as pas vu, mec. Hein? Oh non, mais non, mais vous avez pas joué comme ça, les gars. Mais pourquoi vous restez dans vos bases, là? Donc, je sais même plus ce que je disais à cause de ce con, là. Ouais, je sais même plus. Pas vu, connard. J'ai vu quelqu'un. Je sais même plus ce que je disais, voilà. Ah oui, donc quand vous avez beaucoup de niveaux avec des vétérans, bah normalement vous devriez avoir un assez bon niveau. Double élimination là. Ça fait mal. Par où ça passe? Allez, un petit chien. Voilà. Toi qui est qui en face là? Ouh, il n'y a pas que des mauvais, hein. Voilà. Allez, la deuxième. Ah là là, cherche un fion. Je suis en train de faire une bonne petite série. Si je pouvais avoir un mastodonte sur cette map, ça ne servirait pas à grand chose. Alors, vous remarquez que depuis un certain temps, j'ai pas quitté le périmètre. Hein. Le secteur, en fait, du point C. Je suis même pas allé au point A. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Faut rester un peu dans son secteur et bouger, mais petit à petit, hein, vraiment. Là, ouais, en PRB, bon, je me méfie. Voilà. Je retourne sur mes pas. Et voilà. Et ça, c'est une bonne méthode qu'il faudra appliquer. C'est pas vraiment du campement, mais on reste dans le périmètre et on prend pas trop de risques. Et je vais me faire défoncer la gueule. Eh ben non. Voilà, alors ça fait un petit moment que je suis en vie. J'espère que ça va durer puisque allez oula un kill et j'ai mon mastodonte. Allez, j'ai le mastodonte, vous voyez, j'ai fini une série de 10 kills. Alors c'est pas rien quand même, surtout que dans les mixtes il y a 3 vétérans, un commando et aucun recrue, je crois. Donc là j'ai changé de périmètre, voilà. Alors pour vous entraîner en précision,
Le truc que je vous conseille vraiment, c'est de faire des parties avec tir dans la tête uniquement. Si vous voulez. Voilà. C'est faire tir dans la tête uniquement. Ah merde. Bon, j'ai fait une série de 11 kills. Alors le mastodonte, putain, je sais pas ce que je vais te balancer par contre. Oh, merde, merde. Ah merde, mon viseur il allait en. Ah. Voilà, je vais le balancer là. Oh non! Oh non, putain, non, ta mère! Oh non, non, c'est vrai, allez. Voilà. Allez. Donc, je vous dis, avec tir dans la tête uniquement. Donc là, je vais pouvoir jouer tranquillement sans me prendre la tête. Donc, ce sera vraiment. Donc, n'hésitez pas à camper, si j'ose dire. Attends, il est où? Non, ça va aller. N'hésitez pas vraiment à. Il est au sniper. Eh non, tu m'auras pas. Allez, monte, non! On peut pas monter. Il est où? Il est où? Je vais te tuer, innocent! Mais. Arrête de bouger, voilà! Oh non, merde! Tiens, j'arrive, connard! Et, mais mon allié, il l'a pas vu. Merde! Ah putain, pas où. Et donc voilà. Donc, tire avec dans la tête. Mais arrêtez de me prendre toutes mes proies! Donc, tire dans la tête uniquement, ce sera vraiment une bonne méthode de. Pour gagner en précision. Alors n'hésitez pas à camper un peu, franchement. Soyez patient, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, soyez patient. Donc là, les silencieux, faut pas en abuser. Voilà. Hein, les silencieux, faut pas en abuser. Vraiment pas. C'est pas un truc qu'il faut utiliser tout le temps, car en duel, vous allez vous faire défoncer si vous avez un silencieux. Si vous avez une balle perforante, vous avez vos chances. Un silencieux, en fait, faut l'utiliser quand vous campez et quand. Mais arrête de me tirer dessus. Et quand vous êtes. Oh merde! Bon, c'est pas grave, c'est bien que je meurs à un moment ou à un autre, de toute façon. Voilà. Alors, bah, du coup, vu que j'ai utilisé le mastodonte fou, le mastodonte. Oui, c'est mastodonte fou, hein. J'ai pas pu vraiment vous parler de. De mes classes sur. Sur Ghost, vous les avez un peu vus dans mes précédentes vidéos et sur celle-là en fait j'ai utilisé la même, j'aurais pas dû, j'aurais utilisé une différente. Et en fait si vous avez un ratio pourri, ça, le ratio ça veut rien dire, alors rassurez-vous, si vous avez un pas un bon ratio, moi j'ai un ratio mais nul, hein. Quand je dis nul c'est un ratio nulissime, hein. Franchement il est vraiment pas terrible mon ratio, et pourtant je m'inquiète pas du tout, et en fait c'est parce que par exemple il est 0,5. C'est pas énorme, mais ratio ça ne veut rien dire. Je vous assure, vos qualités sont ailleurs, j'en suis sûr. Vos qualités sont sûrement ailleurs, et ça j'en suis sûr. Ça j'en suis sûr et certain. Par exemple, vous avez la qualité de prendre les points, vous avez la qualité d'être discret, mais en duel vous n'êtes pas très bon, par exemple. Par exemple, c'est juste un exemple comme ça, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc le local, c'est le meilleur mode. Allez, est-ce que je me retape à un mastodonte là? Oh merde. Oh merde! Oh quel con! Oh j'ai fait une action mais... Vraiment nulle, hein. J'ai incarné mon chien et pile poil quand il a lancé la grenade, quand mon chien est apparu, c'est là que la grenade a explosé. Oh deg. Deg, deg. Ah putain. Voilà. Oh, faut arriver. Donc là, je me précipite un peu trop, donc je meurs trop de fois. Alors, n'hésitez pas à revenir. Voilà, là, je fais ça comme ça. Là, je suis là. Et là, je retourne sur mes pas. Bon, là, évidemment, ça sert à rien. Mais en quelques fois, faites ça et vraiment, ça va. Et faites ça quand vous êtes dans un bâtiment limite. Faites ça en boucle. Et ça si ça peut... Oh non, je sais pas si ça peut vous aider ou des trucs dans le genre.
là. Bon, là je me balade partout parce que j'en ai marre de rester en place. Bon, la fois où j'ai eu mon mastodonte, bah, je suis resté dans le secteur et... Merde. Et vous avez vu, bah, que... Pardon. Vous avez vu que quand même je suis resté, ben, j'ai fait 11 kills d'affilée sans mourir. Alors les KEM j'en ai jamais fait. J'espère qu'un jour je serai assez fort pour me faire une petite KEM. En ligne malheureusement j'y arrive pas parce qu'en ligne... Oh merde putain. J'ai bougé mon viseur putain. Et quand je suis de près je vous ai dit... Je sais pas si je vous l'ai dit mais de près j'y arrive pas. Alors que de loin j'ai plus de précision. Parce que de près j'ai trop le stress du duel en fait. Puis là j'ai les doigts qui glissent. C'est... Allez, paf. C'est plus une mission. Allez, on va vers A. On reste dans le secteur un peu. Voilà. Merde, putain. Faut pas tout surveiller. Hein. Oh, je fais une petite bonne game quand même là, dit. Eh, c'est pas nul, hein. Voilà, on va aller par là un peu. Alors la map, je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, elle est plutôt pas mal. Je vous rappelle aussi qu'il y a le pack... Excuse-moi, je t'avais pas vu, gros. Il y a le pack Dévastation qui sort le 8 mai sur les consoles Sony, qui comprend 4 maps, dont une qui s'est inspirée de Dome, qui est inspirée, hein, parce qu'elle ressemble... C'est la même, sauf que c'est la map... Ah putain. Ah oui, et des fois, vos conséquences, vous êtes en duel, tirez avant de viser. Par exemple, vous faites ça et là vous visez après. Voilà, bon, là j'ai dégagé une munition. Faites ça. Et limite, des fois dans les duels, vous visez pas. Enfin, c'est ce que j'ai fait, des fois vous visez pas. Et vraiment, ça va. Je pense que ça va vous aider. Mais tire-lui dessus, putain, qu'est-ce que t'attends? Ah putain, lui il s'est couché. Moi, je mets 3 heures pour me coucher là. Hop là, voilà. Alors, déjà, les gars en compète, les pros, ils ont les manettes. Dès ils se couchent en une seconde. Ah putain. Oh, ils étaient 3! Oh, les connards. Voilà. Alors, quand vous arrivez dans un périmètre ou dans une salle, vous guettez comme ça. Et on a gagné. Bon allez, bon ben, je vous remercie pour cette petite vidéo tutoriel. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, lâcher un commentaire si mon intro vous plaît et si je continue à faire des vidéos. Bon allez, salut les gens. Vas-y, je suis même pas premier quoi.